Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Il est beaucoup trop tôt pour un samedi matin, mais en attendant que Cinégoodies commence à organiser ses AP, et bah direction Paris, le Café Maisia, et on va se retrouver à l'avant-première de EV5 Force Temporelle. J'ai très très hâte d'ouvrir cette extension. Je me suis déjà fait spoil pas mal d'illustrations et j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Alors, ce petit kit d'AP qui met à l'honneur Vers de Fer et Serpentot, les Paradoxes, très sympa la boîte. Dedans, comme d'habitude, on a un petit deck préfet, j'ai eu le Mirai Don qui est canon, et j'ai eu la chance d'avoir sur les 4 boosters l'artwork complet. On a les 4 illustrations. C'est parti, on va voir ce qu'il y a un peu dans ce deck. Donc c'est un deck qui tourne autour de Mirai Don et Alligator. On va voir si on peut trouver des petites cartes sympas pour l'agrémenter dans les 4 boosters. Voilà, vous avez un petit temps de préparation de votre deck hein, avant les matchs. Oh, le Cisaioxex, il fait trop plaisir. Très très cool, le premier hit. Là, je vais être à la recherche plutôt de moteurs de pioche, plutôt de trucs qui peuvent me permettre d'accélérer encore mon deck. Tête de fer, temps futur. J'ai un deck qui, du coup, est axé autour des Pokémon temps futur. Donc, on va chercher un petit peu les paradoxes hein, qui sont bien mis à l'honneur sur cette extension. Un petit roue de fer aussi, ça peut être sympa. Oh, la Pikachu, elle est magnifique. Fantominus aussi, il y a vraiment des très très belles illustrations, mais ça, on verra ça tout à l'heure avec les boosters récompenses et la petite FA de conviction de Mortimer, très jolie. Donc là, c'est un deck qui va tourner avec les 4 Miraidon qui vont me servir à mettre des énergies très vite. J'ai rajouté un petit Latias pour le moteur de pioche. Alligator, épine de fer, les temps futurs. Voilà, j'ai rajouté aussi le tête de fer que j'ai pioché tout à l'heure. Allez, c'est parti pour un premier match. Du coup, j'affronte aussi un Miraidon. On découvre un petit peu nos decks. Ça finit par une victoire. Heureusement, mon adversaire n'a pas pioché d'énergie sur la fin. Mais sinon, c'était quand même très serré. C'est très sympa à jouer quand même. On a vu beaucoup de belles cartes. Alors, deuxième partie, c'était vite expédié. Malheureusement, j'avais fait un beau setup et tout, mais il y avait un seul Pokémon de base en face. Et comme vous le savez, hein, quand il n'y a plus de Pokémon, la personne a perdu. Et pour le troisième match qui se terminera par une défaite, je suis tombé sur un deck Metang à nouveau, mais qui là est bien mieux sorti. Hein. Ça a commencé à enquiller des énergies à une vitesse pas possible, et j'ai pas pu accélérer assez pour tenir le rythme, tout simplement. Et voilà, du coup, c'était une AP bien sympa. Pour l'instant, j'ai rien tiré. Alors, sur le coup, je disais que j'ai rien tiré, mais c'est juste parce que j'ai vu tout le monde sortir des grosses alternatives avant de sortir de la salle, et j'en avais presque oublié ma magnifique petite Cisaiox X et la FA de Mortimer. Et on va aller s'ouvrir les 3 boosters à la maison, comme d'habitude. On finit sur un petit 2-1 en termes de match. C'est pas mal, ça joue énormément sur les paradoxes. Hein. Il y a énormément d'illustrations paradoxes, et surtout, les cartes, elles sont canon, mais on va voir ça tout de suite. Et voilà, ça y est, c'est l'heure de l'ouverture des boosters, récompenses. Comme d'habitude, hein, je les ai ramenés à la maison. Comme ça, je peux avoir un petit avant-goût. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a, mais en partant de l'avant-première, je vous avoue que j'ai vu tout le monde commencer à sortir des alternatives, donc bon, on va pas se vendre du rêve, il y a moyen que ce soit des boosters un peu claqués. Pas te montrer mes petites, tu verras après. Déjà, j'ai vu le booster, il est magnifique. Ouais, et encore, c'est pas les plus beaux, je trouve. Du coup, il y a... Voilà. Ah, moi, je connais pas les noms non plus, donc... Les noms des paradoxes sont terriblement nuls. Je crois que c'est Chef de Fer, celui-là. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, pour moi, c'est... Il est hyper cool, ouais. Ouais, c'est le plus beau booster des 4, pour moi, le Raikou. Alors bon, le Raikou long coup, il faisait vraiment débat quand il était annoncé, mais l'illustration est canon. L'illustration est cool, ouais. Voilà, donc il y en a écoute, deux comme ça. Ça donne envie de faire des petits cadres avec les boosters. Hein. Du coup, un chacun. Tu veux pas les ouvrir les et 3? Celui-là pour moi? J'ai ouvert les 4. Bon, je vais en ouvrir un, comme ça je pourrais commenter mes cartes. Parce que du coup, quand j'ouvre les boosters pendant la paix, je suis un peu frustré de pas pouvoir m'attarder sur les illustrations, les commenter et tout. Elles ont l'air magnifiques. Franchement, tout ce que j'ai ouvert, même le deck. En plus, ça met l'accent sur les paradoxes avec des petits cadres. Il y a plein de paradoxes qu'on pouvait pas mettre dans notre Pokédex encore parce qu'ils existaient que en X ou quoi. Et nous, dans notre Pokédex, on prend que les cadres classiques. C'est parti. On commence avec l'énergie de ténèbres.
Oh, le Pikachu, direct. Bah, direct, je suis rentré. Un des premiers trucs que je lui ai dit, c'est il y a un Pikachu qui est magnifique. J'ai trop envie de le faire en carte 3D. Il est trop mignon, ouais. Et du coup, c'est quel illustrateur? C'est Kodama. La profondeur, là, c'est sûr, on pourra faire une 3D de fou. Hein, ouais, avec la queue qui passe devant. Bah, c'est hyper mignon d'avoir un point de vue du dresseur sur son Pokémon. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. On dirait que t'es le dresseur et que tu regardes ton Pokémon au sol. Ouais, c'est vrai, trop totalement. Mignon. Pikachu doit ressembler à ça pour Sacha, en vrai. Oui. Adorable. Oh, wow, il est super badass. Je l'avais pas vu encore, le Rinsécateur. Alors, Rinsécateur, il a toujours des cartes très badass. Hein, mais là, du coup, ça respecte parfaitement. En même temps, est-ce qu'il est pas incroyablement stylé, Rinsécateur? C'est clair, un des Pokémon les plus badass. Un fisheye, et du coup, ça marche trop bien avec tous les coups dans l'air comme ça, là. Grillipatte, un glorieux Grillipatte. Il est tout mignon. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Grillipatte. Yukiko Baba, hein, qui fait toujours des trucs très colorés comme ça. Oh là là, tellement mignon! Oh mon dieu! Il est archi cute! Et du coup, il est type fée. Ah, il oui. est en type psy pour son type fée. Oh, il est mignon comme tout. Et les cartes sous-marines, toujours magnifiques. Hein. C'est l'illustration de You. Conviction de Mortimer. Elle est cool la pose. Ouais. Tangalis, ah bah, il est très dans l'esprit de l'insécateur. Hein. Très badass aussi. Il fait sa tornade expulsante. Oh. Illustration de Suishiro Genjima. Badass, très badass. Dévouement de Bianca. Elle est très mignonne. Elle est trop cool. Ouais. Téléfix en petite reverse. Elle est super cool aussi. Hein. 0313 qui nous fait une magnifique Téléfix qui est très très souvent représentée dans sa grotte à gemmes quand même. Hein. Elle se ressemble un petit peu en termes de composition toute. Et mais les couleurs sont toujours très cool du coup, comme il y a toujours plein de gemmes comme ça. Mais du coup, il y a encore un petit effet fisheye là aussi. Hein. Waouh, wow, yes. Le reverse est si beau. Le reverse qui pique les yeux, celui du type acier, il est archi bling. On voit les reflets se déplacer. Le reverse où tu peux voir ton reflet dans le reverse. Ouais, incroyable. Bah du coup, je vous disais, Roue de Fer par exemple, il avait eu que des ex jusqu'ici. Là, il va pouvoir rejoindre le Pokédex. En plus, on veut tous les paradoxes en reverse, donc c'est impeccable. C'est nickel. Par contre, sa pose, elle a l'air vraiment débile. Enfin, tu te rends compte que ça trompe. Sur le front, là, ça ne va pas, niveau design. Et on termine avec Volcaropod. Je l'avais jamais vu. Elle est très jolie, cette carte. Mitsuhiro Arita. Ah, Mitsuhiro Arita, ok. À toi. Allez, du coup, moi aussi, j'ai le petit Cobaltium futuriste. Hey, let's go, on commence avec une énergie électrique. C'est quoi ce Raichu? Quelle pose improbable! De Koshi 8i. Alors, je connais pas du tout. Il y a plein d'illustrateurs que je ne connais pas. Le fisheye de l'extrême encore. C'est encore une édition fisheye, là. Ah ouais, non mais il est trop mignon. Avec l'ombre de la queue sur le ventre et tout. Oh, kawaii de ouf aussi. Une illustration de Shibuzo en petit Victini. Il est extrêmement mignon lui aussi. En fait, on alterne entre les illustrations extrêmement mignonnes et extrêmement badass avec un style très mature et tout. Parfait, moi ça me va. Arkéomir. Oh, c'est encore ce nom. Vas-y, tu l'as appris. Non, j'ai essayé de l'apprendre vraiment sincèrement, mais... Kedama, Daitai, Yawarakai, l'illustrateur, le fameux, hein, celui qui avait fait le Poulpaf juste avant. Et du coup, le style est vachement moins marqué que sur le Poulpaf. Hein. Ouais, on voit quand même que c'est de la peinture, mais c'est moins impressionniste. Oh, un petit Tiboudé qui joue dans la boue de Narumi Sato. Très très mignon ce petit Tiboudé. Ouais. Hein. Pashmila, le glorious Pashmila avec son écharpe. Ouais. Yunishida qui nous fait une belle illustration. La capsule Energy Booster, bon, qui est vraiment au cœur du gameplay. Hein. Là, le gameplay est très 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 axé sur les temps passés et temps futurs. C'est plus juste une petite gimmick sur le côté. C'est vraiment, il y a des decks entiers qui tournent autour de ça. Et Forivoire, justement. C'est bien, ça complète avec le Roue de Fer. Il me le manque en reverse, mais Forivoire, du coup, qui est fait par Mitsuhiro Arita. Il est tellement stylé sur cette illustration, il est vraiment trop cool. Ouais, et badass, hein. Il est badass, la charge pleine face. Loser! Petite style. Tomokazu Komiya, reconnaissable entre mille. Oui. Bon, sympa. Après, c'est un peu dur à lire quand même. C'est une, ouais, il y a beaucoup de petits motifs à l'arrière là. C'est une Tomokazu dans ses jours un peu sombres. Ouais. C'est Volcaropod, du coup. Une petite rare reverse de Mitsuhiro Arita. Et du coup, on voit un petit peu mieux quand même en fait. Ouais, on voit mieux la nuit sans et le foil. La nuit,
Oh, Dryel. C'est quoi ce Dryel? Il est tout simple. Il est extrêmement simple. On dirait les évolutions dessinées en trait un petit peu. Là. Oui, je vrai, sais ouais. plus c'est quoi le nom de l'illustrateur. Et en plus, le fait qu'il soit type normal et que le fond soit tout blanc comme ça, enfin vraiment, ça fait hyper simple. Plutôt sympa. Après, Dryel, bon, petit dragon un peu mal aimé, hein, de par son type normal, je pense. Bon, rien de fifou dans mon booster, je m'en doutais. Allez, montre-nous une petite alternative, là, ça serait sympa. J'espère, hein. Bon, le booster est très cool, déjà. Le booster est magnifique. On aura au moins ça. Je suis en train de le massacrer, le booster. Et on commence avec Énergie Plante. Oh, Girafarig. Oh, ça, c'est bien, ça joue avec le principe de sa queue qui est animée. Elle est vraiment super cool, cette illustration. Ouais. Effectivement, on voit pas trop d'habitude la dualité entre les deux, mais... Oui, là, on voit vraiment que c'est une créature qui est derrière un peu en mode parasite. Puis le style est vraiment beau. Ouais, le style est très cool. Ouais. C'est Matazo, que je connais pas du tout. Roselia. Bah, très jolie carte. Elle a pas mal de jolies cartes. Hein. Bombidou. Très mignon. Elles sont toujours très mignonnes, les cartes de Bombidou. Rototop, oh il est trop chou, il est vraiment en train de s'esbaudir dans la terre. Il fait un petit bain de soleil là, ouais. Il sort de sa galerie, il fait un petit bain de soleil. Trop chou. Zeraora, elle est pas très visible, bah si elle est quand même elle cool. Elle est badass, hein. Il est en train de faire, ouais, une pause. Il est en train de faire un capoeira kick sur un building. Hardcore. Garde de fer, waouh, elle est trop stylée. Très très cool cette garde de fer. Ouais, c'est magnifique. Celle-là, j'aimerais bien la choper en reverse. Oui, c'est clair. Ça serait très sympa. Sharpedo, Shinji Kanda, c'est cool. Et oui, Shinji qui revient pour un petit Sharpedo assez incroyable. Hein. Ouais, alors encore une fois, c'est pas forcément si lisible, mais comme il y a un petit contour un peu blanc autour, c'est pas mal. Une sorte de petit halo. Larvibule, avec les petites antennes pointées vers le ciel. Oh, trop cool. Boum. Et voilà. Bon, bah, voilà. Je t'avais demandé une petite AR, une petite alternative ou quoi, bah ça y est. Et celle-là, je me l'étais pas du tout fait spoiler, c'est vraiment la surprise de ouf, je m'attendais pas à une ex-langue. Bah, elle est trop mignonne, j'adore. En plus, la gimmick de la langue comme ça, là, sur les petits desserts. C'est marrant, du coup, c'est vraiment le ex-langue de famille. Tu sais, on voit les dessins du gamin qui sont un peu répandus, ses jouets et tout. Et il y a ce truc super japonais de la glace pilée où t'as une espèce de petite machine là où tu moulines tes glaçons pour faire de la glace pilée et tu mets du sirop dessus. Très mignon. Et on termine avec Koraidon. Très très badass. Très cool aussi. Avec la main en avant. La Koraidon de T-Zero. Et bah l'illustrateur de Excellence, c'est encore un illustrateur que je connais pas, hein, je crois. Orca. Si, Orca, ça me dit quelque chose. Ah, Orca, comme ça me dit pas grand-chose, en tout cas. Ah, je suis trop contente d'avoir eu la petite Excellangue, là. Bah, parfait. En vrai, ouais, elle est vraiment très mignonne. Elle est très mignonne. On a eu beaucoup de cartes comme ça récemment, un peu comme la Riolu et tout, qui font très Pokémon de famille, avec des jouets autour ouais, et tout comme ça. Kiffe. En fait, j'aime bien voir les Pokémon dans leur environnement, et si on part du principe que, bah oui, il y en a plein qui sont dans des familles, c'est bien de voir leur... Pas parce que le gouvernement japonais essaye de pousser absolument, même dans tous les soft médias, ils essayent de pousser... la natalité dans leur pays. Ils font des mangas familiaux, des trucs comme ça. Ouais, regardez, on peut avoir une super vie de famille. Ok, donc bah, je vais te montrer quand même mes petits hits qu'on s'est ouverts tout à l'heure pendant l'avant-première. Alors, ma petite ex de Cisaiox. Ah, en plus, c'est tombé sur Cisaiox. Et ouais, je suis content, j'ai fait une seule ex et c'est un de mes Pokémon favoris. Et en plus, l'illustration est absolument canon. Le Cisaiox, il déchire. C'est vraiment très cool d'avoir le pont en avant comme ça. Il est trop beau. Et du coup, la petite F-adresseur de Mortimer. Bah écoute, il est stylé, hein. Le décor derrière lui est magnifique. Et les couleurs sont trop cool aussi. Allez, je vais montrer à Mini du coup un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure dans la paix. Alors du coup, le deck, bon on va repasser très vite, hein, vous les avez déjà vus. Takeshi Nakamura qui nous fait un épine de fer vraiment très 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 badass. Alors que je trouve que le modèle 3D a l'air un petit peu niais, hein. Il est pas fifou. Ensuite, le deck contenait le petit Kainus, trop mignon. Ouais. Tête de fer qui a encore le droit à une carte, mais cette fois de type normal. Le Miraidon. Ouais, il est super stylé avec les éclairs tout autour. Illustration de Gosan. Et ouais, vraiment, ça fait planche de manga. Petite dresseur. Le Miraidon promo. Bah là aussi, une pose très différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est bien, ça se renouvelle. Hein. Ouais, il est vraiment trop cool. Un petit Latias. Très joli aussi. Il est super beau. Les couleurs sont très très belles. Et voilà, pour le deck, c'était un peu tout. Et sinon, dans les cartes sympas qu'on a ouvertes tout à l'heure. Alors, Elekable, Sinistra et Graina.
Tier Kéomir. Dauphin, j'ai l'impression que c'est l'illustration qui était déjà là de Yugo Nosuke. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est une réédition. Un boss Kara en plein fight là qui revient. Ouais, c'est stylé de l'avoir en plein fight. Le retour de Asako Itô. Je me suis fait spoiler ça. Et justement, oui. J'étais tellement heureuse. Le retour de Asako Itô, on se demandait sur tout le début de bloc, on s'était dit bon bah ça y est, c'est fini la collaboration entre Asako Itô et Pokémon. Plus. Oh là là, et c'est encore plus mignon qu'avant. Petit Grenipio, du coup on va pouvoir refaire des petits boosters. Et des mini Grenipio sur le côté, j'adore, trop cool. On va pouvoir se refaire des boosters illustrateurs et des petits trucs comme ça. L'Arbok. Très sympa, là, cette Topicou, je trouve tellement incroyable. Ouais, j'avoue, le concept est super cool. Oui, très petit machin. Mediena, que je trouve pas vraiment fou, de Miki Tanaka. Tortipousse, par contre, de Okacheke, il est super magnifique. Super beau, les lumières. Abo. Il est très joli, cool. Lui, ouais. Oh, il est cool. Petit Fantominus qui fait très Luigi's Mansion. Ouais, c'est vrai, ouais. dans le faisceau de la lampe. J'adore. La Pikachu incroyable. Et du coup, là aussi, Spectrum aussi est dans un faisceau. Vraiment, là, c'est très Luigi's Mansion. Après, je suis pas fan de ce Spectrum. J'aime pas trop ses proportions. Spectrum, il est pas très beau. Mais le métal de Osvaldo Kato. Il est très beau. Le petit Larvibule de Kagemaru Himeno. Farfaduvet. Oh, trop mignon. Yukamori, qui nous fait aussi une petite carte de Shinshidou. Il est super détaillé. Il est extrêmement mignon. Et en plus, la figurine est quand même assez détaillée. Hein, la petite sculpture. Il y a même les petits Tobins derrière, là, c'est trop mignon. Bah écoute, franchement, je suis très enthousiaste. Il y a vraiment plein de trucs que je trouve très cool. Ouais, et puis vraiment, l'accent est mis sur les paradoxes, sur force temporelle. Hein. Avec Fire Paradox, ils ont commencé à mettre en place un petit peu la mécanique. Mais bah, ça va être la gimmick. Hein. C'est la gimmick de la 9G, donc il faut insister dessus. Comme les VMAX, les Dynamax et compagnie pour Galar. Bah là, je suis content. On a plein de beaux paradoxes, ils sont bien détaillés. C'est une super belle extension. Très très hâte d'en ouvrir un petit peu plus. C'est clair. En plus, on retrouve parmi mes chouchous illustrateurs. Oui! Petit rappel, les avant-premières, c'est ouvert à tous. Hein. J'ai eu pas mal de messages ou de gens qui venaient me voir pendant les bourses d'échange en mode oh, trop bien, vous avez le droit aux avant-premières parce que vous faites du contenu sur Pokémon et tout. Pas du tout! Les avant-premières, vous allez dans n'importe quel magasin quasiment qui est membre de la Ligue Pokémon qui fait des tournois du jeu et vous avez des très grandes chances qu'ils fassent les avant-premières. Là où j'ai été, ça a commencé très tôt le 9, mais sinon c'est surtout le week-end prochain où il va y en avoir normalement partout. Donc n'hésitez pas à regarder. Dans les magasins près de chez vous, dans les bars à jeux et compagnie, tous ceux qui peuvent faire ça. Si vous voulez ouvrir du force temporel avant tout le monde. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver des événements, que ce soit les bourses d'échange, les avant-premières et compagnie dans leur région, parce qu'ils sont dans le sud ou dans le nord et tout, qui sont pas à Paris, donc nous, on n'a pas ces adresses-là. N'hésitez pas, si vous en connaissez, à les partager en commentaire, ça aidera peut-être quelqu'un de la commu autour de chez vous et... pourquoi pas, vous vous retrouverez autour d'une bourse d'échange, sait-on jamais. Si tu veux découvrir l'extension Force Temporelle avec nous pendant les prochaines semaines, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un petit like sous la vidéo si ça t'a plu. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.